Thank you.
Le score reste donc de 6 à 0 pour les Aix-en-Provence. Qui permet aux Argonautes de gagner 5-0.
Thank you.
Thank you.
soit le dégagement au pied, soit il la joue. Et apparemment, ils vont la jouer. Et 10 yards d'appel sur la ligne de 12 des Argonautes.
Il est 45 secondes à jouer au prochain cap. Le timeout a été demandé par les forces de l'Hexano, bien sûr. Thank you.
avancé par la défense italienne. L'arbitre nous annonce la fin du troisième carton. Et le score est toujours de 20 à 0 pour les Argonautes d'Aix-en-Provence. Troisième tentative d'hier. Oh, 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 oh. Elle est plus forte que ça. Mais il n'est pas là. Ça ne doit pas être. Celui-là, il ne doit pas être mal. Une superbe course du numéro 24, Rémi Doucet, un jeune formé au centre de formation Argonautes. Pour un gain de 10 yards, on est donc maintenant en quatrième tentative et 5 yards à faire pour les Argonautes sur la ligne de 15 des Frogs. Qui appelle un time-out, un temps mort. Temps mort. Donc quatrième tentative et 5 yards à faire pour les Argonautes sur la ligne de 15. Cette superbe compression permet donc aux Argonautes d'obtenir un premier down sur la ligne de 3 yards. Première tentative et goal. 3 yards à faire pour agrandir le score. Ah, il a eu peur que je ne puisse pas prendre. C'est bon, pas le chemin. Allez. Et où est la balle? On est maintenant en deuxième tentative et 5 yards à faire pour les Argonautes.
Papy Paradis va essayer de mettre la balle entre les poteaux. Oh là là, il a repris. La balle a été contrée. Ils ont le droit d'essayer de la remonter jusqu'à leur but. Mais le numéro 54 italien peut paraître un petit peu lent pour arriver jusqu'à l'endzone. Thank you.
Charles sur ce jeu. Thank you.
Thank you.
31 mars, donc dimanche prochain, les armes vont être levées pour les Caïmans du Nord. J'espère que vous serez nombreux pour les encourager.